Bonjour à tous, c'est Albox. On se retrouve de nouveau donc pour un SBC comme promis. Voilà, le SBC Gullit, il est prêt. J'ai déjà réalisé 13 SBC sur 14, il reste juste le dernier à valider. Donc on va faire comme pour les SBC de Richarlison et Pogba. En fait, je me suis référé à Footbin, donc je vous les ai pas montrés. J'ai déjà tout validé. On va juste valider le dernier ensemble pour avoir la petite animation. Et ensuite, on ouvrira les 14 packs, donc 4 packs à 100K. C'est parti! Alors, on se retrouve à l'intérieur du SBC. Donc voilà, tout est validé, sauf le tout dernier. Donc vraiment, le SBC a coûté quand même assez cher. Donc on va valider le dernier. C'est parti! Voilà. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je viens de réaliser Ruud Gullit. C'est quand même, je pense, un des meilleurs joueurs de ce jeu. Voilà, Gullit réussi. Voilà, superbe carte, hein, c'est Gullit, tout le monde connaît Gullit. La petite animation sympa, ça fait vraiment plaisir de récupérer ce joueur. Je pense qu'avec le milieu de terrain, Vieira, Gullit et Pogba, j'ai le meilleur milieu de terrain du jeu quasiment. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Voilà, la petite animation sympa. Gullit 93, franchement il a une superbe carte. On va aller voir ça dans le détail. Voilà, donc 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 1m91, élevé moyen. Et voilà, une carte juste sensationnelle. Maintenant, on va se retrouver dans la boutique pour ouvrir les packs. Allez, on se retrouve dans la boutique. Premier pack, pack joueur argent. On va pas tergiverser, ça c'est un pack, voilà, hein, on s'attend à rien, évidemment, c'est un pack argent. Hein. Mais c'est toujours des crédits gagnés, hein. Certains joueurs argent coûtent assez cher. Ça va être Hutchinson. Ok. On va envoyer tout ça dans le club et on va ouvrir les vrais packs. Allez, maintenant on passe au pack joueur or avec un seul joueur or rare dedans. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de chance? Évidemment, pas d'animation dans celui-là, c'est logique, mais on pack quand même une couleur. Ok, un man of the match. Ça va être grec, MOC souvent. Non, je vois pas du tout qui c'est. Pelkas 81. Bah écoutez, on prend, hein, c'est 15 000 crédits dans le premier pack, entre guillemets, intéressant. Franchement, ça fait plaisir, hein. Franchement, pour commencer, c'est intéressant. Et c'est même pas le joueur rare, hein. Donc franchement, là, j'ai vraiment eu de la chance. Allez, maintenant, on va ouvrir le pack méga. Pack à 35 000 crédits. C'est parti. Est-ce qu'on a l'animation? Pas d'animation. Ok, c'est pas grave. Mais c'est bleu. On pack un Tots, mais il n'y a pas d'animation. Ok, ça va être un Tots 2FL. Ça va être Stacy 80. Ouh, un Tots à 80 gen. Mais c'est un Tots, écoutez, on prend. Hein. Étant donné qu'il y a le SBC Tots à faire... Franchement, ça vaut des crédits. Là, pour l'instant, c'est vachement intéressant. On s'y attend pas forcément. C'est pas des animes, mais on pack des couleurs. Franchement, ça fait plaisir. Bon, écoutez, pour l'instant, on a pas mal de réussites. On a ouvert quand même 3 packs. Sans compter pack argent, ça fait 2 packs. On a eu 2 couleurs, donc c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer au pack joueur Electrum rare. Donc, 2 packs à 30 000. Est-ce qu'on a animation? Pas d'animation. Est-ce qu'on va avoir une couleur? Non, pas de couleur. Fallait bien que ça s'arrête. Hein. On a quand même les panneaux. C'est plutôt cool. Ça va être Mandzukic ou Kramaric. Et c'est Mandzukic 84, donc c'est cool. C'est forcément mieux que Kramaric. Est-ce que derrière, il y a quelque chose également? Ok, Aduriz 83. Franchement, ça commence plutôt bien. Allez, deuxième pack à 30 000. C'est parti. Donc, 6 joueurs au rare dedans. Est-ce qu'on a l'animation? Pas d'animation, c'est pas grave. Encore une couleur, mais c'est fabuleux. Man of the match encore. Ça va être Canadien, BU. Ce sera Farfan, non? Ah non, bah non, pas Farfan. David 75, d'accord, mais on prend, c'est encore une couleur, c'est encore 15 000 crédits. Même si on touche pas les animations, on touche de la couleur et c'est plutôt intéressant. Et Quadrado 84, franchement, les 2,83, les packs sont vraiment intéressants. Allez, maintenant on va ouvrir les 2 packs à 45 000, c'est parti pour le premier. Est-ce qu'on va avoir l'animation? Toujours pas. Est-ce qu'on va encore avoir une couleur? Non, quand même pas. Les panneaux, c'est cool. Argentin, MOC, ça va être Ever Banega 83. D'accord, ok. C'est pas terrible, mais on prend. Franchement, pour le moment, je vais pas me plaindre. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a rien. D'accord. Allez, deuxième pack à 45 000, s'il vous plaît, Yesport. Donnez-moi l'animation, s'il vous plaît. Pas d'animation, toujours pas. Ça a du mal. Et pas de panneau. Ça y est, là, on est en train de retomber doucement. Ça va commencer à devenir compliqué. Ça va être Sirigu 82. Ok, c'est pas terrible. On peut que faire mieux par la suite. Et Marcano, Canaleso qui est des 82. Allez, maintenant on va ouvrir le joueur or Jumbo Premium. Donc 7 joueurs or rares à l'intérieur. Est-ce qu'on va avoir l'animation? Toujours pas. Est-ce qu'on a les panneaux? Et on a encore une couleur. Franchement, c'est cool. On n'a pas les animes, mais on a les couleurs.
Ça va être DC Argentin. Alors là, ne me demandez pas c'est qui. Sanchez 82. Je sais pas qui c'est, mais c'est 15 000 crédits. Ça fait plaisir. Franchement, c'est plutôt cool de voir les couleurs. Maintenant, on attend les animations. Allez, maintenant, pack Megarar. Pack à 55 000 crédits. Donnez-moi l'animation, allez. Toujours pas, ça veut pas, hein, ça veut pas tomber les animations. Et ok, ouf, pas de panneau. Ça va être suédois. MOC, ça va être Forsberg 82. D'accord, bon, on peut que faire mieux par la suite. Il reste les gros packs. Je m'attends à avoir quand même des animations, je l'espère. Allez, plus que 5 packs. Il reste un pack à 50 000 et 4 packs à 100 000. Là, honnêtement, sur les 5, j'espère avoir 3 animations. C'est parti, premier pack. C'est le pack à 50K. Animation, c'est parti. Allez, donne-moi du lourd. Ça va être régular. Ok, c'est régular. Qu'est-ce qui reste en régular? Ça va être AG. Ça va être Lorenzo Insigne 88. C'est pas mal. Pack à 50K. On commence avec une anime. 88 de gêne. Franchement, c'est cool. Ça va rapporter des crédits. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Peut-être. On sait pas. Non, il n'y a rien derrière. Mais c'est déjà bien une animation. Allez, maintenant, il reste 4 packs. 4 packs à 100 000. Là, honnêtement, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de joueurs en rare dedans. On espère avoir le maximum d'animation. Animation, allez. Et c'est du TOTS. Donne-moi du lourd. Allez, ah non, c'est pas du TOTS. Je me fais encore avoir. MOC, ça va être Van de Beek. Donc, je l'ai déjà packé pour ceux qui ont suivi donc dans mes récompenses du champion. Il m'avait caché João Félix. Hein. Est-ce que là, il me cache encore un joueur? C'est la question, hein. Allez, on va laisser s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, comme l'autre fois? S'il te plaît. Oh, ça, c'est un pack coloré, hein. C'est cool. Ça, c'est plutôt intéressant, même si c'est des petits gènes. Ça fait beaucoup de crédits. Allez, deuxième pack à 100K. C'est parti. Back to back d'animation. Non, pas d'animation. Ok, donne-moi de la couleur. Allez, les panneaux. Argentin. MOC, ça va être encore Banega 83. Allez, dans un pack à 100 000, je trouve ça quand même pas terrible. Espérons qu'il y ait d'autres 83 derrière. Ça pourrait un petit peu pardonner eSport, entre guillemets. Ok, Savic, ok. Allez, on passe à la suite. Allez, encore deux packs à ouvrir. Pack à 100K. Encore une fois, c'est parti. Donne-moi l'animation. Allez, animation. Merci. Est-ce que c'est de la couleur? Oh, c'est de la couleur. Ça va être un futur star français. DC, ça va être Upamecano. Oh, c'est propre. Upamecano 88. Je pense que ça vaut plus grand chose, mais j'ai voulu le tester cette année et du coup je l'ai pas testé. Mais ouais, ça fait plaisir, on pack un futur star. Franchement, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ça se peut. Allez. Oh, il n'y a pas grand chose derrière. Ok. Franchement, ça fait plaisir. Upamecano 88. Allez, dernier pack de cette vidéo, pack à 100 000. Est-ce qu'on finit en beauté avec une animation? Ce serait vraiment cool. Ah, pas d'animation, j'aime pas finir comme ça. Pas d'animation. Espagnol. MC, ça va être... Oh, ça va être Salo 85. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, on va pas se plaindre. Un 85, c'est toujours bon à prendre. Même s'il n'y a pas l'anime, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Peut-être. 83, d'accord. Bon, ben voilà, on va se retrouver dans l'équipe. Donc, y a juste encore le changement de poste à placer. Mais Gullit est présent. L'équipe, franchement, elle a de la gueule. Donc, on aura quand même packé 8 cartes de couleur. Je pense que c'est pas mal du tout. Hein. 8 cartes de couleur, c'est toujours bon à prendre. Je vais rendre tout ça, ça va faire des crédits. Donc, vous avez été quelques-uns à me répondre en fait dans ma question, dans ma précédente vidéo. Est-ce que j'allais mettre Teles Militao ou blanc avec Alonso? La majorité, c'est Teles Militao. Donc, n'hésitez pas encore en commentaire à me dire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera le dernier changement à apporter à mon équipe pour l'instant. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Albox, à bientôt.